<laughs> bien bonjour, bien bonjour, bien bonjour, c'est là Bah mes nouvelles autres. Tout le monde a vu, hein? Kouta, ma en non, est bien? C'est un peu de compte. moustique varicelle. assis, écoutez ça. M'a pas calé l'école demain. Annonce d'un de air décidé, Coco Lapin. À la fin du cours d'aujourd'hui, sur Delgrès le Vaillant, la maîtresse a annoncé une surprise pour demain. Et ses compères Coco et Pidomino, raï les maîtresses là qui dit ça. Surprise. Il faut dire qu'à chaque fois, Madame Golette, à chaque fois que Madame Goulette annonce une surprise, les enfants ont droit à un contrôle. Et les deux compères se souviennent encore de la parole de leurs parents. Prochain note là, ici, pas ni la pendant une semaine. Oh la. Une semaine santé une véritable torture pour nos amis. Mais voilà, ils ont beau dire qu'ils n'iront pas à l'école, ce n'est pas eux qui décident. Hum. On pourrait dire que les parents euh, euh, que madame Goulet est malade propose alors timidement domino cochon. Hum -hum, ça pique ma chérie répond Coco la peinture de lui. Maman, nous que voyons nous l'école quand même. Et si on faisait croire que c'est nous qui sommes malades, poursuit Domino. Hein? Peut-être, peut-être que ça peut marcher. Voilà l'idée de nos compères. Souvent, Domino et ses parents vont à la mare qui se trouve de l'autre côté de la, rivagne, de la ravine. Ce chat savent manier ces cochons et main bien à la boue. C'est toujours un plaisir. Alors Domino explique. Mon papa dit toujours qu'à 6 heures du soir, la main au cochon devient la main au moustique. Et si bien que, si on laisse la nuit nous prendre là, ces moustiques-là, qu'à manger nous. Donc, questionne Coco, qui n'a pas encore compris où notre ami veut en venir. Attends, lui répond son âsement domino. On va leur faire croire qu'on a attrapé la varicelle. Alors, à la nuit tombée, ils se rendent à la mare au cochon, moustique, et laissent les insectes danser sur eux, considérer c'est un soirée aux bouteilles. Zip, 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 zip. Et après s'être fait manger copieusement, ils rentrent chez eux discrètement. Le reste viendra tout seul. Yégrick! Yeah, comme dit comme fait, le lendemain de l'opération « Varicelle moustique », ou moustique varicelle, qu'on soit préféré, les deux compères gémissent atrocement, couchés dans leur lit. Y'a qu'à faire ou évidemment. Maman lapin! Gémit Coco lapin. Maman cochon! À son tour, compère cochon. Euh, domino cochon, pardon. Ça arrive, Zoyoton. Ça Coco. Il y a quoi, Domino? Je crois que je suis malade. Malade Ah celle-là, hein chameille Elle arrive pour aller à l'école. Comme attendu, les parents de nos deux compères n'y croient pas du tout. Alors, ils insistent. Mais maman, regarde, j'ai plein de boutons et ça gratte. Des boutons qui grattent En soulevant le drap, les mamans de nos deux amis ouvrent de grands yeux. Ouais, mon Dieu, Seigneur, il me dévalise. Il y a Mission accomplie, cet homme-là. Oui, Coco et Domino ont réussi à duper leurs leur parents. Ils ont avalé la blague, bloc, sans glo. Après une journée passée au lit, à être chouchoutés par leurs parents, ces deux camarades noirs, finalement, Pani doit faire aïe. You ne peuvent pas aller enlever en ici, si voir des camarades. Ils doivent toujours porter des gants de cuisine pour éviter de se gratter. Et le pire de tout ça, c'est que maîtresse là, toujours kamené l'histoire l'école Bayo, et ça tous les jours. Mideven. <laughs> Une semaine après leur fausse varicelle, les deux compères sont de retour à l'école. En évitant, évidemment, de parler de la soupe, des gants, des journées interminables sans télé et de devoirs maison, Coco et Domino racontent à Isidore et Médor le tour qu'ils ont joué à leurs parents. L'histoire de la mao cochon moustique et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Isidore et Médor se mettent à rire, mais ils ne peuvent pas arrêter. crac, 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 ah ouais, les gars, ils ont pas fait. Même, 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 même. Nos deux compères, Coco et Domino, les regardent, un peu interloqués. Et Midor et Zidor continuent. La surprise de Madame Colette, c'était une vraie surprise. Nos deux amis n'ont croient pas leurs oreilles. On a été au théâtre, voir un spectacle sur Delgrès, Delgrès le vaillant. Et ça t'est dangereux. Et même qu'à la fin, <laughs> la maîtresse nous a acheté des floupes. Aïe, <laughs> bon Dieu Seigneur, <laughs> vous imaginez bien la tête de nos deux compères lorsqu'ils entendent tout ça. Ah là là. Mais nous pas a dit il yo fait encore. <laughs> Et vous pouvez me croire, yo a fait des fois. Y'a